Au parc des City, nous avons un couple reproducteur de grues royales. Dans les enclos, on peut actuellement voir encore le jeune de l'année passée, mais il va partir sur le zoo de Maubeuge dans quelques temps. Tu vois, il est beau. Les jeunes des grues sont donnés ou échangés avec d'autres zoos, car les parents récupèrent leur territoire afin de se reproduire les années suivantes. Quoi. Donc ils se séparent des jeunes. Alors les grues, ce sont des grands oiseaux qui vivent en Afrique du Sud, dans des zones humides. Ils vivent en petits groupes et se séparent au moment de la reproduction. Pendant la reproduction, les grues muent toutes leurs plumes de vol, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se déplacer dans les airs, mais plutôt au sol. Les grues, en général, sont connues pour leur parade nuptiale, c'est-à-dire que les parents jouent avec leur tête, des chants, écartent les ailes, piétinent sur place, se tournent autour. Les parents construisent tous les deux le nid. La femelle pond entre 2 et 4 œufs de couleur bleutée et qui sont couvés pendant 28 jours aussi bien par le mâle et la femelle. Les jeunes sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils quittent le nid à la naissance. Ils suivent les parents pour aller se nourrir. Par contre, au soir, ils retournent au nid pour se remettre sous la mère ou sous le père pour la protection, afin d'avoir de la chaleur et d'avoir la protection de la nuit. Chez les grues royales, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le mâle et la femelle. Le seul moyen de sexer ces oiseaux, c'est un sexage ADN qui est pratiqué en prélevant une plume et en envoyant ça au laboratoire d'analyse. Au parc, c'est ce qui est pratiqué pour sexer les animaux. Aujourd'hui, c'est une intervention un peu de routine parce que chez l'alpaga, il y a beaucoup de défauts de pousse des dents. Donc, on a procédé à la coupe des dents qui sont trop longues et qui le gênent dans son alimentation. Alors, on décide de le faire sous anesthésie parce que c'est beaucoup plus confortable pour l'animal. Ça permet de faire un examen complet. Donc, on a endormi les animaux un par un. On gère l'anesthésie, on taille les dents avec une petite scie spéciale qu'on appelle une Dremel. On a profité pour tailler les onglons et on a également réalisé une échographie pour savoir si les femelles étaient gestantes. Ensuite, ça dure une dizaine de minutes et on réveille l'animal. Originaire des hautes plaines d'Amérique du Sud, le lama a été domestiqué et nous le retrouvons un peu partout maintenant. Au parc des Cities, nous avons un lama qui s'appelle Nanar.